Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur l'antenne. Je m'appelle Alexandre Samanelli, comme vous savez. Je suis musicien et acteur de formation. Jusqu'à récemment, j'avais une intense carrière d'acteur ici en Belgique et en France. Depuis quelques mois, j'ai commencé à travailler avec mes collègues de l'équipe de communication de la communauté SkyWorld et nous faisons de notre mieux pour populariser cette technologie ici en Belgique. Je voudrais commencer notre webinaire d'aujourd'hui, pas comme d'habitude avec une présentation de Unitsky String Technology, mais avec une grande nouvelle pour notre entreprise. Nous avions souvent parlé à notre collègue que parfois il est mieux voir une fois que d'entendre 5 fois, comme le dit le proverbe russe. Oui, ces dernières semaines, notre entreprise a été régulièrement diffusée à la télévision et dans la presse et dans le monde entier. Le développeur de technologies Accord est finalement et a ravi tous les investisseurs et le RSP System à leur annoncer qu'il avait franchi une étape circulaire et la matière de certification. Le prestigieux organisme international, vous voyez ici sur la diapositive, TUV, standardisation et certification, a récemment délivré un certificat de conformité conformé la sécurité de solutions innovantes de USKY en matière d'infrastructures de transport qui commence la structure de la voie, transport des précontraint, UPOD, véhicules électriques et combien avec la station. L'objectif stratégie d'entreprise est garantir une sécurité maximale pour les passagers et pour les passagers dans les futures tâches de transport et logistique dans le monde entier. L'obtention des certificats de conformité TUV-SV conforme une fois plus la sécurité et la technologie d'infrastructure de transport Accord. Le service marketing de développeurs de technologies d'Accord continue à maîtriser nos nouveaux moyens de promouvoir notre projet sur Internet. Après les quiz, nous avons assisté à une sorte de hit-parade de nouvelles de mois à mois dernier. Nous avons identifié les messages les plus populaires du mois. Le CNN, par exemple, dont les principaux médias mondiaux, a publié un article sur OST Technologies. Avec le transport de OST, les gens peuvent se rendre dans la ville qui se tient plus rapidement qu'avec n'importe quel transport terrestre, il dit. Et après cela, présume que la technologie de transport USKY est demandée dans le monde entier, qu'elle intéresse les gens, les entreprises et les pays. En fait, cette technologie résoudra le principal problème de notre époque, celui de la circulation dense et surtout la solution du USKY Transport sont beaucoup moins chères, plus sûr et plus économique à mettre de œuvre de la solution de la transport traditionnelle. Ainsi, dans le poste, j'ai essayé de rassembler quelques vidéos diverses agences de presse du monde entier comme CBS, NBC, Fox, ABC, NTV, Deutschland, France 2, etc. Construction Week, c'est un magazine spécialisé dans l'innovation, les projets, la construction dans la région Moyen-Orient, a publié un grand article sur notre projet, également qui est apparu en canaux médias sociaux et la publication lors d'un entretien avec le représentant de cette innovation des OST, des entreprises de technologie en Corte, à Sharjah, parler des clients potentiels de voies et construction et nouveaux modèles de matériel roulant attendus aux Émirats. Nous vous proposons une brève paraphrase de cette publication. De l'original, on peut être consulté dans l'illustration jointe. La technologie, la Corte, est
principalement destiné aux pays où la croissance démographique crée un demande naturel de transport. Ces régions sont l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Inde et le Pakistan. Le centre UST est situé dans les Émirats arabes unis pour les raisons principales. Il lui permet de rapprocher ses clients en Inde et en Afrique. C'est une danse dont cette région de se développer de techniques prévoit de mettre de l'œuvre un premier projet commercial. Une station d'atterrissage a été construite pour la piste de 400 mètres de long déjà achevée. Actuellement, une structure de voies plus longue de 2,4 km est course de construction, dont le lancement est prévu en novembre 2021. Parallèlement, les travaux sur normes qui seront appliquées en véhicules guidés par le corps de bâton, leur plan, comme il s'agit d'une activité qui en prend du temps, de la certification de la technologie, en fait, coopération avec des sociétés, de le bureau de Veritas. La technologie blockchain est activement déployé pour relier le système de contrôle, les billetteries, la circulation, la surveillance et la sécurité d'un transport à corps. Deux autres modèles de matériel roulant seront bientôt livrés aux Émirats par la République de Bélarus. Unicont pour le transport des containers, un Unibus pour les passagers, qui sont actuellement et en cours de production. À l'avenir, le UST Technology prévoit rétablir sa propre installation de production et de stockage dans les Émirats. À ce fin, une formation pour futur personnel a déjà été organisée aux Émirats Arabes Unis. En fait, le rédacteur, un chef d'image Matrix de Durosen a déclaré à Sky News Australia que le système est déjà en place de fonctionner et dans le cadre d'un test des Émirats Arabes Unis au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, regardez s'il vous plaît l'écran. Une nouvelle forme de transport pourrait contribuer à déconditionner une ville utilisée en nacelle high-tech suspendue à les câbles. La société Uskai de Biélorussie teste actuellement. Il déclare que le pod high-tech ressemble à l'intérieur un siège d'une classe d'affaires. Elles peuvent se déplacer jusqu'à 150 km par heure. Contrairement des téléphériques traditionnels, il n'y a pas qu'un seul qui se déplace à faible vitesse. Il est possible d'avoir plusieurs machines. Il est 6 ans, en juillet 2015, la construction des plus importants de UST a commencé. Voici Ecotechnopark à Marina Gorka, Biélorussie. Auparavant, c'est un seul réservoir entièrement rempli à la carburant diesel. Maintenant, non seulement un centre d'innovation a été situé dans la place de la rade et des buissons, mais aussi une pousse de jardin et les alliés, le bousquet. Comme vous pouvez voir le mot prononcé par le fondateur et concepteur général de UST, Michel Anatoly Yunitsky, pendant la construction, a été entièrement confirmé. Souviens-nous de ces mots. Notre projet ça s'appelle Ecotechnopark et Eco passe à première au nom. Cette restauration de l'environnement, le retour à la vie en meilleur le sol et le jardin amélioré que nous procurons et nourriture propre. Et les routes aériennes seront sûres. Elles ne ruiront pas le sol. Les jardins, elles ne tueront aucun objet vivant parce que volant au-dessus des sols n'attend la surface sur laquelle nous vivons. Alors, après tout, 6 ans, c'est assez ou pas assez pour construire l'entreprise Paris. Bien sûr, si vous souvenons la promesse de non fonder la certaine amie de notre projet qui
se soucient réellement de leur propre bien-être, je voudrais que la chose se passe plus vite. Mais en considérant la grandeur de la tâche, le résultat obtenu en si peu de temps, dont le processus, la mise en œuvre en projet mondial comme le futur transport, le système Unitsky String Technology, nous pouvons dire avec la confiance que ça fait là, 6 ans et félicitations à tous avec d'autres importants. Le 18 septembre, le quatrième conférence scientifique et la technologie internationale, l'industrialisation sans fusée de l'espace longtemps, problème et l'idée et projet, réunira la scientifique et des chercheurs des domaines de l'ingénierie, l'écologie, de biologie, de social, l'économie, la politique et le développement, contribuant au développement actif, l'espace lointain. Elle aura lieu à Marina Gorka, à 60 km de Minsk, sur le territoire de l'Ecotechnoparc. Les ressources officielles du programme ECOMIR, dont la mission est de résoudre les problèmes environnementaux, sociaux, démographiques, l'humanitaire, l'autre problème de globaux, l'humanité, la transmettre, transférer dans l'espace, partie industrie terrestre, et présenter le risque pour l'environnement. On publiait l'information précisée sur la date et le lieu des quatrièmes conférences scientifiques et techniques internationales. L'organisateur sont Astro Engineering Technologies and String Technologies, partenaire scientifique, Université d'État de transport de Biélorussie. L'auteur, M. Anatoly Unitsky, présentera des informations sur la technologie requise pour une solution complexe des problèmes écologiques de notre planète, la survie d'un développement progressif de l'humanité. La représentante de Biélorussie, de l'Ukraine, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, du Canada, des Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite vont participer à cet événement. Dans les médias du Moyen-Orient, notre projet semble être le sujet numéro un. Le Gulf News a publié un article d'Angel Tesorero, c'est une journaliste principale de la populaire agence Le Presse, intitulé Sharjah veut être la première ville à introduire un module aérien à grande vitesse qui traite en développement un système de transport des passagers en fret et la chaîne dans les Émirats Arabes Unis. Dans une autre interview accordée à Gulf News, le directeur des parcs de recherche des technologies de Sharjah, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi, a déclaré « Nous espérons commercialiser la technologie et faire de Skypod une des plus grands succès de la région. La société de transport du Sky teste actuellement différents trains de passagers et de marchandises. Il ajoutait qu'il existe plusieurs options et emplacements pour déployer un nouveau type de système de transport surélevé dans le cadre du plan global visant à transformer Sharjah en ville durable et futuriste. Nous sommes conscients des problèmes liés à la congestion et à la mobilité. Nous pensons que le projet USKY contribuera à la stratégie à mobilité, l'infrastructure de Sharjah et de l'ensemble des Émirats Arabes Unis, car la nécessité moins le terrain, mais il n'est plus efficace. Les systèmes de transport de la communauté SkyWorld seront reliés au complexe de transport à l'infrastructure. L'industrie minière sera en mesure de développer le gisement le plus difficile. La technologie de la communauté SkyWorld permettra de construire les voies de n'importe quelle longueur et degré de complexe, même les voies de transatlantique. Le prix d'une voie transatlantique avec une autre technologie sera comparable au coût des tunnels sur la Manche. Le 6 juin, le journaliste
publication anglophone, Monsieur Endicott, ça c'est une publication des National, il était le pour la deuxième fois visité le centre expérimental de la communauté Skyworld ici à Sharjah et préparer le matériel sur le développement du transport à grande vitesse dans les Émirats, basé les résultats de la visite. Il a dit en particulier que le complexe communal Skyworld a suscité beaucoup l'intérêt dans le monde entier, mais surtout aux Émirats arabes unis, y opérant certains des principaux développeurs. Le système de transport alternatif offre la sécurité, le confort et l'abordabilité. Le premier projet commercial sera disponible dans les Émirats en septembre 2023. La construction devra commencer très bientôt. Le système surélevé a été conçu à Minsk par M. Anatoly Yunitsky. C'est un scientifique, un membre de la Fédération russe et cosmonautique. Une version cargo sera capable de livrer le conteneur de 12 mètres à grande vitesse qui se permettrait d'en retirer le poids lourd. Les points au réseau, les câbles, la scie suspendue serviront d'un centre résidentiel ou des bureaux reliés par les fils d'acier à haute résistance. Après, le cabine se déplace en manière indépendante plutôt qu'elle s'appuie sur le système de poulies conventionnel sur un téléphérique qui est limité à vitesse à environ 15 km par heure. Selon la société, cette technologie permet à réaliser des déplacements interurbains à grande vitesse pour une fraction de coût des autres systèmes de transport réguliers, soit moins de 200 dollars par mètre. La société dispose de 600 ingénieurs qui exploitent un site d'essai de Biélorussie d'un écotechnoparc de Marina Gorka. Aux 5 autres pistes de 800 mètres sont en service. Une piste d'essai plus longue à Sharjah est en train sur 2,4 km avec 8 structures de support d'acier espacées à des structures de béton servant d'ancrage à chaque extrémité. Le coût de construction dépend principalement de la parcelle de terrain de trafic potentiel de passagers sur les réseaux terminés. Et aussi, Endicott a déclaré qu'une ligne de passagers sera probablement construite avant des services de fret. Cela nous donne un avantage pour la concurrencer les autres systèmes de transport, car il sera plus viable financièrement. Les Émirats arabes unis sont notre base. C'est le pays prometteur pour notre technologie et nous avons beaucoup de soutien à Sharjah. Il ne s'agit pas seulement d'un système de transport, mais une solution écologique du monde déjà encombré par les trafics. L'empreinte de carbone des nacelles est également un fiereur. Une nacelle à voyage ferroviaire ordinaire, la batterie électrique de secours étant partiellement alimentée par l'énergie renouvelable. Des études de faisabilité sur les coûts de transport des marchandises de longue d'un réseau a été estimé en 1 dollar par 100 tonnes pour chaque kilomètre parcouru. Également, le 20 avril, le chef de la région et le directeur général du parc de recherche et de technologie de Sharjah, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi, organisait la première webinaire international au cours duquel il annonçait la technologie de transport de corps du Nunsky. Il a dit en particulier que voici quelques exemples de technologies brillantes que nous sommes développées ici à Sharjah. Nous sommes très fiers d'avoir le plus grand centre d'innovation en matière de transport et logistique au monde. Nous sommes chargés de développer des technologies de nouvelle génération qui seront promus dans cette région et feront partie intégrante des solutions de mobilité du Moyen-Orient. Nous sommes également fiers d'avoir réalisé un investissement important et développement technologique.
Nous pensons que le Moyen-Orient a absolument besoin de développeurs ce type de technologie et nous travaillons main dans la main avec le secteur privé et les entrepreneurs et les universités. Nous sommes également très fiers du parc de recherche de la technologie de Sharjah qui accueille un plus grand laboratoire d'innovation des Émirats. Grâce à notre partenaire de Unitsky String Technology, nous avons construit le Eco House, qui est notre principal partenaire et nous travaillons avec dans les quatre domaines principaux, la commercialisation, le développement de la science, l'emploi de l'échange de laboratoire. Nous pensons que pour avoir une innovation, nous devons développer la capital humain et développer un lien fort avec le monde universitaire, les institutions académiques. Tous les avantages se répercutent sur l'environnement. C'est une moyenne de 30% d'énergie gaspillée dans les bâtiments commerciaux. La mise en œuvre d'informatique dans les bâtiments permet d'optimiser l'installation d'énergie et d'éliminer le gaspillage, de réduire l'émission et réaliser, d'économiser sur le coût opérationnel des futures technologies de transport comme Unitsky String Technology, par exemple. Suivant, Monsieur Alexei Savin, c'est un directeur de SARL SV Plant. C'est une société qui fabrique des équipes pour Unitsky String Technology, a déclaré dans l'interview, nous essayons d'équiper de la production avec d'équipements de pointe. Nous suivons les nouveautés mondiales, visitons les expositions. Bien que certains pays ayant été fermés et que l'exposition a été annulée en raison de la pandémie, nous essayons de suivre en ligne la technologie et de l'équipement de traitement. Nous avons des compétences pour le soudage, des découpes de matériaux, des découpes de lasers, le travail des métaux, la fabrication des pièces de plastique, l'entraînement à l'électrique, des batteries, l'enduleur de la moulage et produits de polymère. Il y a 6 centres d'usinage sous la production d'un pas d'analogue ici en Biélorussie. En outre, nous avons 3 imprimantes 3D sur lesquelles nous fabriquons partiellement des pièces pour l'intérieur et l'extérieur du transport. Les créateurs des projets étonnamment efficaces, c'est monsieur ingénieur, monsieur Anatoly Unitsky. Il a fallu à la 40 ans de travail acharné pour créer cette technologie pour notre communauté. Au cours des 3 dernières années, la communauté SkyWorld a bénéficié de cette technologie. Elle a construit le tronçon d'essai, des itinéraires urbains et le frais. C'est parce que M. Unitsky s'est tourné vers Moyen-Orient où la géographie de notre production est entendue. Auparavant, nous concevons les blocs et composants séparément, mais quand nous assemblions, ils ne correspondions les uns à l'autre en termes de forme et de taille. Mais là, lorsque nous sommes passés à la plateforme expérience 3D, ces problèmes ont été résolus car il est devenu possible de suivre le cycle de vie complet de la technologie. Le système de transport des UST prévoit la mesure de suivant pour prévenir et éliminer les accidents. Par exemple, l'utilisation de matériaux non combustibles dans les modules des passagers est disponible dans la ventilation d'urgence et la sortie de secours, un élément d'importance. La sécurité des systèmes OST est constituée par la solution de l'ingénierie qui contribue à augmenter la sécurité de transport en mouvement. Ces solutions sont notamment le suivant, les systèmes anti-déraillement qui se composent de 3 sous-systèmes qui dupliquent mutuellement. Ces duplications permettent de réduire le risque d'accident à 50%. Alors,
Maintenant, je voulais vous raconter comment fonctionne le transport à cordes de notre communauté. Regardons quelques exemples. Les véhicules sont faits de polycarbonate très léger, équipés par un moteur électrique qui est ultra léger aussi. Ils utilisent les panneaux solaires et énergie éolienne, mais aussi électricité ordinaire pour fonctionner. Le mouvement en facilite par le fait qu'un simple corde tendue, on peut comparer ça avec un corde en guitare qui est bien fixé. Le transport à cordes, c'est un système révolutionnaire qui peut transporter un grand nombre de personnes ainsi que la cargaison d'une manière super sûre et efficace. C'est un transport très intéressant pour la logistique locale, mais aussi internationale. Je voudrais confirmer encore que cette technologie peut être mise en œuvre avec beaucoup de succès, aussi bien dans les régions de haute montagne comme Suisse, Autriche, sud de la France, par exemple, mais aussi dans les plans comme Belgique et Hollande. L'innovation des communautés SkyVault réside dans les caractéristiques de conception de structures, de voies, de systèmes de contrôle automatique basés sur l'intelligence artificielle. L'ensemble des solutions, l'ingénierie de la société permet de réduire le coût de la construction et l'exploitation du système de transport de plus de tiers par rapport à un monorail conventionnel, de moitié par rapport à un chemin de fer et 5 fois moins cher par rapport à une autoroute ordinaire. Cette technologie offre un grand potentiel. Pourquoi? Parce que, en fait, l'infrastructure des villes peut être complètement transformée dans une structure urbaine droite. Le plus, ce système est très respectueux pour l'environnement et permettre de vivre dans les villes beaucoup plus propres que maintenant. Grâce à la résistance des fils d'acier conçus par des ingénieurs qualifiés, il n'est pas question de mettre la vie des passagers en danger. Grâce au système de contrôle, l'intelligence spécialement conçue pour ces véhicules, il n'y a jusqu'à présent aucun accident lors d'essais de conduite. Les véhicules sont très flexibles, comme j'ai déjà dit. Ils peuvent se déplacer librement à toutes circonstances. Ils sont très résistants à la chaleur, peuvent traverser à l'eau, à la route rocailleuse et provoquent jamais l'embouteillage. Tout cela parce que le véhicule se déplace à surface grâce à la direction automatique. Les éoliennes et des panneaux solaires sont utilisés pour produire l'énergie. Le moteur électrique super efficace consomme une quantité minimale d'énergie qui permet de réaliser des économies importantes. Les avantages uniques du système de transport développé par Unitsky String Technology permettent l'utilisation intégrée de réalisations avancées dans le domaine des transports électriques à grande vitesse et respectueux de l'environnement. Plus des avantages commerciaux de la solution d'ingénierie multicouche de la société dans la région se concentrant sur les 3 points objectifs industriels. Premièrement, ils permettent l'accroître de flux de marchandises et les passagers dans la ville existante sans interférer avec l'infrastructure communautaire existante. Deuxièmement, ils permettent de relier, d'optimiser le flux de marchandises entre champs de production difficiles d'accès, les centres industriels et les plateformes de transport éoliennes comme l'aéroport, centres logistiques, etc., sans construire le terminal supplémentaire. Et troisièmement, la solution d'entreprise offre une liaison de transport écologique sans pollution, avec minimum de bruit pour les régions ayant des exigences environnementales ou un environnement interdit ou limité. Maintenant, mesdames et messieurs, je voulais vous présenter notre modèle différent. Comme le premier modèle, ça s'appelle U4-362, qui permet
transporter la passagère en vitesse jusqu'à 500 km par heure. Et il est entraîné par les moteurs électriques et la traction alimentée par un circuit en contact diapositif au stockage d'énergie embarquée. Il est utilisé dans le cadre des complexes de transport de l'infrastructure pour assurer les liaisons de transport sur les trajets interurbains et internationaux. Ces cabines comportent 6 sièges équipés d'un système de divertissement pour les passagers. La carrosserie comporte un compartiment séparé pour le bagage. Autre modèle qui s'appelle c'est Unitrack U431, c'est destiné au transport des marchandises en frac, liquide en dangereux, périssable à la pièce. Il est entraîné par un moteur de traction alimenté par un circuit de contact d'un dispositif de stockage d'énergie embarquée. Le chargement et le déchargement des Unitrack peuvent effectuer en mode automatique. Il est utilisé dans le cadre de complexes de transport d'infrastructures pour l'exploitation et l'installation industrielle, comme dans le cadre de ports de sites minières, ainsi que le site urbain et suburbain. L'autre modèle, qui s'appelle U4210, c'est avec équipe standard utilisé dans le complexe de transport d'infrastructures pour l'exploitation sur les routes urbaines et suburbaines. La capacité totale de véhicules est de 14 personnes en 2 sièges. Il est propulsé par un moteur de traction alimenté par le circuit en contact de dispositifs de stockage d'une énergie embarquée. Un certain nombre de modifications ont été développées sur la base de ce véhicule. Une nacelle de unique de capacité accrue à une cabine augmentée. Des véhicules composites basés sur un seul véhicule et possibilité de construire en train. Comme vous savez déjà très bien, M. Anatoly Yunitsky a concentré son attention sur le Moyen-Orient parce que le rythme que le parc d'innovation et la technologie progressive à Sharjah se développe, c'est une révolution technologique et nous sommes un des leaders là-bas. Maintenant, je voulais brièvement présenter notre modèle tropical. Le développement de Unicar Tropical U4431 a pris en compte la particularité climatique du Moyen-Orient où l'opération a été réalisée. C'est une nouveauté des distinctes par un double système de climatisation, une suspension hydraulique, un double système de refroidissement, un plus grand stockage d'énergie en bord, un système de refroidissement amélioré ainsi qu'une cabine au design VIP similaire à celui à la Mercedes-Benz ou BMW par exemple. Grâce à la fiabilité en haute performance, au large éventail d'options, ainsi qu'à la simplicité et la faible consommation de matériaux à la structure de véhicules, les différents modèles de notre communauté peuvent devenir une solution universelle dans un certain nombre de problèmes de transport, tels que l'organisation de transport de marchandises ou les passagers dans les zones éloignées des régions aux conditions climatiques difficiles. La construction de la nouvelle route dans les Émirats arabes unis est un excellent exemple pour ça. Et maintenant, chers amis, j'aimerais bien brièvement parler de la réalisation d'entreprises dans les différentes parties du monde. Nous commencerons par le Vietnam. Nous sommes heureux pour vous annoncer que le membre du conseil d'administration de Unitsky Street Technology, M. Vladimir Maslov et František Solár, sont revenus d'un voyage d'affaires au Vietnam. Ils ont rencontré des représentants de nombreuses entreprises vietnamiennes et discuté de développer Unitsky Street Technology dans le pays. Le membre du conseil d'administration a été en train de représenter la société ThinkPad,
qui envisageait de construire une piste de 3 km jusqu'à la pagode Loy Am. À la suite de la réunion, un accord a été signé pour la créer une entreprise Viettransnet pour soutenir le développement des futurs projets au Vietnam et obtenir une autorisation pour les activités d'investissement dans le secteur transport. Chers partenaires, maintenant, je voulais vous présenter Madame Olga Veronica. C'est un membre actif du programme des partenariats de Unisky String Technology. Elle a récemment fait un travail incroyable pour attirer l'attention sur le projet à la société de Unisky String Technology. Hein? Comment? Ah, un instant. Je voudrais... Partenaire, je voulais vous présenter maintenant un autre, notre représentant pour rencontrer la maire de province de la Romana, le Conseil national sur le changement climatique de la République dominicaine, le renforcement des positions de notre communauté au Moyen-Orient est la principale tendance de cette année. Et la technologie a été officiellement présentée par un potentiel pour la mise en œuvre pour le plan de développement de l'infrastructure de Dubaï, une série de projets proposés par le ministre de transport du pays ayant été approuvés par le chef de la région, M. Hussein Mohamed Al-Mahmoudi. Le projet comprenant des systèmes de transport urbain en longueur totale de 15 km avec les 21 stations que peut être mise en œuvre grâce à notre technologie. Je voudrais souligner ainsi que Son Altesse Sheikh Sultan Ben Mohamed Al-Qassimi, membre de la Suprême fédérale des EAU, visitait le centre d'innovation et la construction à Sharjah. Cet événement a été largement repris par les médias aux Émirats. Au cours de la réunion, une attention particulière a été accordée à la structure de la voie, un ancrage de support intermédiaire pour la certaine charge et le supposé qui, pendant le fonctionnement normal, ils ne peuvent pas être endommagés. Ce signifie qu'ils peuvent utiliser dans les différents pays, dans les différentes conditions climatiques, à des températures ayant de moins 5 ans jusqu'à plus 60. Nous pouvons passer au deuxième niveau, quand nous allons plus haut et surmontons donc les obstacles qui dressent de notre chemin. Je voulais attirer votre attention, mesdames et messieurs, le blocage du canal Suez qui a mis la lumière en problème de fermeture du canal par lequel transistant à environ 30% du trafic mondial et un conteneur de 12% du commerce mondial pendant une semaine entraînée d'un partenaire environ 10 milliards de dollars par jour. Il est évident que le simple projet élargissement du canal ne suffira pas à si l'opérateur du marché de logistique et le cherchant déjà alternatif au transport traditionnel par bateau le canal Suez. Ainsi, selon les estimations préliminaires, le coût du système de transport électrique terrestre des marchandises de Unisky String Technology construit de longue du canal Suez de longueur de 160 km sera 10 millions de dollars par kilomètre sans compter le matériel roulant et le terminal chargement et déchargement.
Madame Nadezhda Kozyreva, c'est une directrice générale de EST, déclarait que la situation du canal de Suez a mis en évidence de la nécessité de diversifier la logistique et l'économie mondiale. Nous sommes heureux de contribuer à son renforcement grâce à nos solutions de transport innovants. Notre technologie a été certifiée et protégée par des droits d'auteur dans le plus de 180 pays du monde entier. C'est une réussite phénoménale. Nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la mobilité urbaine, l'accessibilité de transport. Prenons par exemple Paris-Bruxelles. Le trajet aller simple entre domicile et bureau peut prendre jusqu'à 2 heures. Mais avec notre transport Community Skyworld, c'est un trajet peut facilement être réduit la moitié. Pour conclure notre webinaire, Madame Zibissieu, je voudrais un peu résumer. Quelle est notre philosophie sur la situation globale? Qu'est-ce que nous faisons ici à Skyworld Community? La Skyworld Community offre une solution aux problèmes d'écologie socio-économique et inefficacité pour le transport de notre époque. Il s'agit d'une solution globale pour le développement des zones, comprend des zones inaccessibles telles que les montagnes, les jungles, les fonds marins, le taïga, le désert, etc. Cette année sera certainement une année de transition pour notre entreprise, mesdames et messieurs. Si on regarde sur les événements des années passées, la situation totale n'a pas été facile pour nous tous. Il y a nombreux événements turbulents, tels que la transmission du virus corona, les lockdowns et beaucoup plus. Mais malgré tout cela, le monde s'il y a d'opposé, nous sommes convaincus que notre technologie sera adoptée dans le monde entier dans l'avenir proche. Si vous avez des questions, veuillez vous référer aux ressources de notre site officiel. Je vous souhaite surmonter toutes les difficultés sur le chemin de la victoire. Nous comptons sur le succès, la prospérité, la communauté Skyworld avec tous les avantages pour notre planète. Je vous remercie de fond du cœur pour votre intérêt sincère pour la technologie des communautés Skyworld. J'espère que vous voir bientôt. Au revoir. Ciao. Merci.